Cocteau, c'est ton ami. Soutiens-le dans la boutique et il sera ravi. Yo tout le monde, on se retrouve un peu pour le best-of de Twitch. Tout simplement aujourd'hui, juste avant, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch. Je suis en live tous les jours. Je vous le répète à chaque fois, le lien est en description. Bref, on commence tout de suite avec un clip de Xewer, Œil Monster. C'est parti, let's go. Alors déjà, il a un bug d'affichage, on peut le voir. 880 builds, 500 et 1000 de builds, je sais pas pourquoi. Et regardez ses yeux. Genre, c'est ses yeux qu'il faut regarder. Ouais, le BF, ok, bon, bah voilà. On connaît les petits bugs. Ah, ça, il me fait trop rire, il me fait trop rire, mec. Genre, le mec, il est trop focus. Il a des yeux, des yeux d'aigle, Xewer, là. Genre, il tend sa peau à la... c'est trop drôle. What the fuck. Est-ce qu'il va arriver à prendre la hauteur? Tac. La double edit. Mais ça part en bullfight. Ça fait encore des bullfights en 2019, là? C'était quoi? C'était un abonné, hein? Il propose un bullfight, là, non? Alors, plus de hauteur. Ah, c'est bon, les yeux, là, il a arrêté de regarder, là. Il a combien de ping, Xewer? Il a zéro de ping. Ah, ouais. La petite balle à 100, je sais. Et là, hop, là, il va prendre le wall, c'est bon. Oh, point faible de Xewer, trop fort. Hein. Et du coup, on va accéder directement avec Noward. Se fait chier dessus. Alors. Oh, oh. Oh, ce qu'il lui a mis à la FAMAS. Oh, ce qu'il lui a mis à la FAMAS. Ah ouais, le teint, l'escalier jaune, comment ça rend fou, mon pote. Et donc là, c'est Squeezie. Qui parlait de... Franchement, là, c'est là où tu te rends compte que Squeezie, c'est vraiment... Après, c'est que des paroles, bien sûr, mais... Genre, il a vraiment l'air sincère. Passé historique sur certaines choses. Notre passé historique, okay. Du coup, qui est misogyne, ça, qui est raciste, qui est colonisateur, tout ça. Aujourd'hui, juste, faut accepter de dire on a fait grave de la merde. Franchement, les hommes, on a fait de la merde vis-à-vis des femmes pendant des décennies. Les blancs, on a fait de la merde vis-à-vis des autres pendant des décennies, des siècles. Et aujourd'hui, on est plus d'accord avec ça. Et regardez, on fait ce qu'il faut pour que socialement, tout le monde évolue. Et qu'il n'y ait plus ces trucs d'inégalité qui n'ont rien à foutre là, tu vois. Moi, ça me rend ouf. Moi, quand dans une grande entreprise. Il a raison. Il a de parler des entreprises avec les femmes, etc. etc. Et là, tu te rends compte. Et c'est là où il parle de sujets comme ça, forcément, il y a le reverse, c'est ça. J'ai fait ça en vrai. Enfin, bref. Non, le souci, c'est que. Tu vois, t'en es où? T'en es à te reprocher. T'es sérieux? On vient juste de parler tranquille. Mais oui, je me reproche parce que. Pourquoi je m'en reproche par exemple? Parce que ça m'a fait du bien de parler des choses. Mais maintenant, ce que ça va m'amener, c'est que des douleurs psychologiques. Parce que je vais ouvrir un réseau social. Je vais me faire bâcher par des gens qui vont me faire dire des trucs que je n'ai jamais dit. Qui vont faire genre que je représente des idées alors que pas du tout, tu vois. Et les dégâts psychologiques. Est-ce que les dégâts psychologiques que je vais manger derrière valent le coup de ce que j'ai réussi? En gros, genre, il se dit que il y a des gens, ils vont clipper juste un parti, à un moment du vidéo, et genre en mode, ça va faire penser autre chose de ce qu'il pensait, quoi. Donc, franchement, comme dit le tweet, donnez-lui un maximum d'amour dans ses mentions Twitter, n'hésitez pas, les gars. Bon, je pense que tout le monde connaît Squeezie, mais bon, bref. Du coup, encore Noard. What the fuck? I'm done! Là, il se fait tuer. I'm done! C'est de la solo ou c'est de la squad là? The team upping! That's a fucking team up! He's fucking pickaxing his shit! Ah, c'est du team up, il doit team up, je crois que c'est ça, non? Il team up! Clone! Je crois que c'est du team up! Y'a rien de pire que le team up, Ender! What the fuck? Alors là, c'est top 1 égale 50 euros, je crois, il me semble. Top 1 égale 50 euros. Alors. Ah, je... Oh non, c'est la fin. Oui, ok. Oh, ah, le nid. Oh, le stress. Non, stress pas, prends le de la vie. Mets-toi de la vie, remets sur place. What the fuck? What the fuck? Donc là on a le Twix. Maintenant. Non, y'a plus de mini. Oh shit. Claire, je suis sur RPG. J'ai 80 HP. Hein.
Tranquille. Oh. Je pile dessus. Ah. Ah, il pouvait pas éditer du coup, il a tiré avec son. Faut que j'arrête d'éditer avec un roquette en main. Je me fais chase derrière. Il a tué un mec. Il a tué un mec en même temps. Éliminé in the storm. Ah, il a tué. Mais what the fuck. Oh non, il a pas eu de chance. Alors, me chouer. Non, mais t'inquiète, je vais te les donner tout de suite. Bah oui, tu vas me les donner tout de suite. Hein, donner. Tiens donc. C'est quoi ça? Wingardium Leviosa. Monsieur Potter. Monsieur Potter. Monsieur Potter. Ça fait malaise dans le chat, les mecs, parce que vous. Oh, en vrai, je sais pas si c'est malaise, ça m'a quand même fait rire. Oh, franchement. Il le fait. En vrai, il le fait bien, Never, ça va. Monsieur Potter. Ah putain. Ah oui, on le connaît, lui, le daron de Twitch. Ah, le tracking, il suit pas. Hein. Bah, vas-y, arrête, arrête. Arrête de faire ton G4B, fils de pute. Tu sais pas jouer, grenin, fils de bâtard, va. Fils de bâtard. Le tarif, tu cours, tu. N'importe quoi, bâtard. Bâtard. N'importe quoi, fils de putain, va. Fils de putain, bâtard, ça. C'est encore méchant. Je t'emmerde, Philippe, putain, je suis bâtard. Cracher dessus. Oh, je rigole, je vous aime. Oh, the fuck, il est malade. Je reçois 3000 signalements par jour et je suis toujours là. Vas-y, Under, et tais-toi. Vas-y, Larry. Fais 10 pompes, qui lui dit. Alors, Nikov. Il a 4 poissons, un lance-bandage, il va jouer l'huile. Oh, comme ça. What? Oh, c'est grave ça! Oh. What the fuck, gros? Oh, ils sont tous arrivés sur lui! What the fuck, mec? Alors. J'ai mis une petite balle là. Oh. C'est un peu rapide et efficace. Alors, Tixi. Ah ouais, prends des balles, c'est. Comment j'ai laser Tixi OMG? Défense, c'est trop de ouf. Ah ouais. Ah ouais, y'a pas eu de Bloom là. Ah, même lui il est choqué, tu sais. Même lui il est choqué. Ouais. Même lui il sait pas ce qu'il a fait. Frère. Même lui t'as mode. Même lui il est étonné, frère. Si tu dis ça, Bah, c'est fake. T'as même mèche, elle fait combien de clips? Sur moi. Il a pas réussi à mettre la balle. Il m'agresse, hein. Putain, il est fluide quand même. Ah ouais. IG. T'as vu comment il est con? Comme il. Ah ouais, putain, ça, j'y arrive pas, hein. La fluidité comme ça, c'est un truc que j'ai du mal à avoir. Hein. Alors, ah oui, là, c'est ce clip là. Alors là, c'est Meuchoui qui parle du père à Never Say Yes. Allez, il reprend du Sénégal, oui, il pousse les avions pour qu'il. Oui, c'est ça. Mais par contre. Ouais. Ils sont derrière l'avion et ils poussent un tir. Est-ce que tu peux nous expliquer ton point de vue, s'il te plaît? Ils poussent les avions. J'ai même pas faim là. Pour le chat. C'est pas drôle. C'est intolérable. J'annule la France. Ils abusent des fois. Donc là, on a Kingstar. Please come. 42 c'est stack hein, dans la storm là je pense. L'erreur. Ah c'est un petit fail quoi hein, basique hein. Ah mais en vrai là je m'excuse mais le best of c'est vraiment Meuchoui Never limite. Mais en même temps il y avait que ça à regarder quoi. Là en gros je crois qu'il parle de la mère à Never. En fait je crois que Meuchoui avait host le mec. Et du coup, dans le chat, ça se permet de la merde, quoi. Dédicace à Virginie, c'est une cochonne. Bah, pourquoi pas? Mais c'est bien d'être une cochonne, bordel. C'est une grosse cochonne et c'est très, très bien. Et vraiment, et en plus, je suis totalement sincère quand je dis ça.
Putain. Bref, c'est déjà fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire. J'ai adoré la vidéo, non, je rigole. Bref, pouce bleu, abonnement, c'était Cocteau.